je suis pas content, il y a les gens qui veulent toujours pas. Mais qui veulent toujours pas de la réforme des retraites. De plus en plus de Français refusent l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite. Non mais là c'est pas possible à la fin. Ça fait des mois que le gouvernement fait de la pédagogie, essaie de nous expliquer que c'est bon pour notre bien même si on le sait pas. À nous qui sommes pas très très malins, les Français, et vous comprenez toujours pas quoi. À la limite, on aurait un gouvernement de technocrates déconnectés du réel, je pourrais comprendre. Mais là le mec qui défend la réforme, c'est un ouvrier. On a tous besoin un jour d'une auxiliaire de vie. C'est vrai. À domicile. Vous apprécieriez que c'est une femme de 64 ans qui pousse le lève-malade de votre maman ou de votre papa ou de votre grand-père ou de vos grands-parents avec une force et un don usé. Olivier Dussopt. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et typiquement, madame, le métier que vous faites est un métier qui doit être classé dans la pénibilité, y compris pour permettre des départs anticipés. C'est une évidence pour moi. Pardon, mais... Mais c'est insupportable de voir ça. Vous nous racontez la vie comme si vous la connaissez. Si vous saviez ce que c'était que de travailler en usine, en 3-8. Il se trouve que oui. De faire un boulot d'auxiliaire de vie. Non, vous n'avez pas fait ça. Mais comment est-ce que j'ai financé mes études? Je les ai financées en travaillant en 3-8, dans une usine à côté du domicile de mes parents. Tous les étés quand j'étais étudiant. Ouh là là, je t'arrête tout de suite, Olivier. On s'en bat les couilles de ta vie. Complètement. Je m'en tartine le fion, parce que là, on en est réduit à l'argument American Pie. Ouais, une fois au stage d'été et tout, donc ça va être long, je coupe. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui va, Olivier? Pour plein de raisons. Alors, premier point, est-ce que tu te rends compte à quel point il est indécent de comparer un job étudiant à une carrière longue? Deuxièmement, je sais pas si t'es au courant, mais faire les 3-8 à 18 ans n'a rien à voir avec le fait de faire les 3-8 à 60, et ça me paraît quand même être le cœur du sujet. Et troisièmement, faire les 3-8 dans les années 90 n'a pas grand chose non plus à voir avec le fait de le faire dans les années 2020, n'en plaise à la putain de team exosquelette de mes couilles. En plus de jouer avec notre fatigue qui est physique, on joue aussi avec notre fatigue mentalement. Si vous faites des micro-arrêts, il y a des mouchards partout à chaque poste. Et si vous faites, vous n'avez pas tenu la cadence pour faire votre véhicule, il y a quelques secondes d'arrêt, ces quelques secondes sont multipliées. Et en fin de journée, on vous appelle dans le bureau et on vous dit, tu as fait 20 minutes d'arrêt. Et on vous fait remplir ce qu'ils appellent un S2N, c'est un formulaire. C'est quoi, c'est une sanction ou c'est un incident, et c'est un moyen de pression. Et quatrièmement, admettons que ce que tu disais vrai, qu'on te croit sur parole, et je sais que c'est pas facile en ce moment, t'as fait les 3-8, etc. Oui, bon, t'as commencé ta carrière parlementaire à 20 ans, mais bon, Émile Zola en PLS, c'est pas grave. Admettons que c'est vrai, que tout ça, que t'as charbonné. Du coup, la seule chose que t'es en train de nous prouver, c'est que, ouais, ta bataille est ferme pour devenir contremaître. Alors c'est sûr, comme tu dis, ça t'a permis d'avoir la vie professionnelle que tu voulais. Enfin, les vies professionnelles d'ailleurs que tu voulais, parce qu'il me semble qu'on a eu deux, non? Bah c'est toi qui nous disais reculer l'âge de départ à la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Il me semble que t'as eu deux vies politiques, quand même. Dites-moi, LREB, juste un petit conseil, vraiment, parce que... je suis pas expert en communication politique, mais est-ce que la prochaine fois que vous voulez faire passer genre une réforme difficile, vous pourriez pas, c'est un petit conseil, évitez pour défendre cette réforme de choisir le mec qui a probablement été un de ceux qui a précisément fourni les meilleurs arguments intellectuels contre la dite réforme. Cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Injuste aussi, car elle fera porter l'effort sur des générations nées après 1970, aujourd'hui plus préoccupées par leur situation actuelle, par leur entrée sur le marché du travail, que par la question de leur retraite. À la précarité ou au taux de chômage historique qu'ils connaissent, vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans, en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans? Et puis, autre conseil, vraiment, la prochaine fois que vous voulez faire passer, toujours pareil, une réforme un peu touchy, vraiment, conseil d'amis, est-ce que pour pas inquiéter les gens, vous pourriez juste pas prendre un mec dont on dirait qu'il est stressé en permanence, putain, on dirait que le mec a une armoire coincée dans le fion? C'est impossible de trouver une capture d'Olivier Dussopt, on n'a pas l'impression qu'il a la chiasse, faites quelque chose! Bon, après, d'un autre côté, il faut quand même reconnaître à sa défense qu'il a quand même de bonnes raisons d'être stressé, Olivier Dussopt. L'affaire ne pouvait pas plus mal tomber pour le gouvernement. En pleine réforme des retraites, à deux jours du débat à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt est visé par une enquête du parquet national financier. L'affaire remonte à 2009 dans le cadre d'un marché public avec la SOR, groupe de traitement de l'eau. À l'époque, Olivier Dussopt était maire d'Annonay en Ardèche. Il est soupçonné de favoritisme. Ce matin, il se défend.
Dussopt. Le parquet considère que, dans le cadre d'une procédure de marché public, en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une affirmation, c'est une thèse que je conteste. Et je n'ai qu'un souhait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de continuer à convaincre, à expliquer comment les choses se sont passées, pour convaincre de ma bonne foi. Bon, après, bien évidemment, le plus important, c'est qu'il conserve, vous vous en doutez, toute la confiance du gouvernement, et particulièrement d'Elisabeth Borne. Ça fait plaisir de voir qu'Olivier Dussopt, il arrive quand même à s'intégrer un minimum, hein. Bah, je veux dire, ça, c'est l'inverse qui aurait été étonnant, c'est qu'il garde pas la confiance. Mais non, mais la Macronie, c'est l'inverse du monde réel, je veux dire, c'est si t'as pas d'affaires au cul qu'il y a un problème. Keller, Bayrou, Dupond-Moretti, Dussopt, Solaire, Véran, le seul ruissellement qui existe en Macronie, c'est la magouille. Donc il n'y a pas des échanges qui ont été trouvés, à un moment donné, lors des perquisitions dont on a parlé. Il n'y a pas d'échanges trouvés à mon domicile. Et vous vous en doutez, avec de telles casseroles au cul, il n'en fallait pas moins pour que la gauche française, messieurs dames, mais non pas Mélenchon, la vraie, le Parti Socialiste Français, hein, saisisse eh bien l'occasion d'enfoncer un peu plus notre ministre, ce qui me fait personnellement très plaisir. Allez Olivier, lâche-toi. Mais Olivier Dussopt, pour prendre un exemple, il était à l'aile gauche du PS quand il était encore au PS. Et puis aujourd'hui, il est en fait le meilleur ami de Darmanin. Donc il a cherché l'erreur. Vous souhaitez qu'il démissionne d'ailleurs de son poste en raison de ses accusations de favoritisme qu'il vise ? Écoutez, je me rappelle d'une époque où le président de la République avait une vision de l'exemplarité qui n'est pas celle qu'il défend aujourd'hui, donc je m'en tiens à ça, ils font ce qu'ils veulent. Non Olivier, pas du tout là. Non, ils font pas ce qu'ils veulent. Mais je te donne de l'argent pour ça. Bah, pour être dans l'opposition, Olivier, c'est ton travail, de faire en sorte qu'ils fassent pas ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est que tout ça n'est pas forcément la meilleure façon d'inciter les gens à croire dans la vie politique. Vous le déplorez, mais sans demander la démission, si je comprends bien. Donc. Ah, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait quand même pas vu le Parti Socialiste gueuler de façon socialiste, c'est-à-dire... Hey, je demande rien. Voilà, franchement, ça m'avait manqué. C'est quoi le move, Olivier? Pourquoi tu ne demandes pas sa démission, mec? C'est ton travail aussi de demander sa démission, même si hashtag il n'y aura rien. Pourquoi tu fais pas? T'as peur que ça finisse par tomber sur un socialiste, c'est ça? Oui, mais numérairement, vous êtes 4. Donc en fait, en vrai, il y a peu de chances que ça arrive. Je serais toi, je jouerais les probas. Sans déconner, Olivier, putain, maintenant t'as été élu premier secrétaire du Parti Socialiste. T'es quand même le numéro 1 de l'opposition en France. Hein, il serait peut-être temps à un moment de commencer à passer la seconde. Comment ça, c'est pas lui? De quoi? Congrès du PS, oui, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous les deux la victoire. Mon Dieu. Oh, mais c'est vraiment fini le PS, quoi. Même ça, vous arrivez plus à le faire? Bah, truquer des élections sans que ça se voit. C'est quand même votre spécialité historique depuis votre fondation, bordel de merde. Ah non, là, si vous perdez les fondamentaux, moi, je peux plus rien faire. Hein. Non, mais sans déconner, ça va pas durer 10 ans, cette connerie, non plus. À la limite, tu passes une semaine, tu te prends le choix avec ton ex pour savoir qui va garder le char, c'est normal, je capte. Mais là, savoir qui va hériter d'un cadavre, putain, tirez-moi ça à Chifoumi et puis c'est marre, quoi. Sans déconner, vous êtes pris la tête pour rien avec votre élection à la con. Pourquoi vous avez pas fait comme à la France Insoumise? C'est plus simple, bah des élections démocratiques. Regardez Manuel Bompard, il a été élu avec 100% des voix. Voilà, là, tu peux pas contester. Oui, il y a qu'un seul votant, c'est l'autre gars sur la photo. Et alors? Ça change rien, le truc. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, Olivier Dussopt est dans une merde stratosphérique, mais que les amoureux d'Olivier se rassurent, enfin que sa maman se rassure, eh bien Olivier a bel et bien l'intention de poursuivre son travail de réforme jusqu'au bout, et ça aurait été dommage de s'en priver, tant il a de belles choses à nous annoncer. En effet, Olivier Dussopt, hein, qui a entendu la colère populaire, a décidé de procéder à quelques aménagements, et le premier d'entre eux, tenez-vous bien, la création d'un index des seniors pour les entreprises. L'index senior va être créé par la loi et ensuite nous aurons un temps de concertation pour déterminer par décret les indicateurs et les critères, ce qui est une précision que j'apporte. Ensuite, comment est-ce que cela va fonctionner, comment cela va s'appliquer? Le premier élément, c'est que cet index sera créé d'ici la fin de l'année 2023. Il va concerner les entreprises de plus de 300 salariés. En dessous de ce seuil, les résultats sont moins faciles à exploiter et les difficultés administratives plus importantes. Une entreprise qui ne respectera pas cette obligation de publicité et donc de transparence sur les résultats qui sont les siens en matière d'index senior fera l'objet d'une sanction financière.
Et bim, prenez ça dans vos gueules, le patronat, hein, pain levé contre l'État, main levée contre le fascisme, et allez vous faire foutre. Et là, il a dit, Olivier Dussopt, vous allez avoir des amendes, hein, d'au moins de 20 euros, je suis sûr, hein, donc ça, c'est bien, Olivier. Donc, si je résume ce que t'es en train de nous dire, hein, t'es en train de nous dire qu'à partir de maintenant, les entreprises, elles seront obligées de tenir un registre dans lequel ils vont inscrire leurs vieux. Mais par contre, on est bien d'accord qu'aucune loi ne va les obliger à engager les dix vieux. D'accord. Donc, du coup, on est bien d'accord que tu viens de me faire perdre une minute. Ça commence à être chiant, là. Non, ça sert à rien, ton truc. Tu sais que ça existe déjà, hein. Non, pas pour les vieux. Enfin, si, parfois, ils le deviennent, hein. Bah, pour les hommes et les femmes, pour l'égalité homme-femme, il y a exactement la même loi qui existe depuis 1972. Tu n'étais pas au courant, je sais, c'est normal. Parce que personne ne la respecte. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, putain, ton truc a à peu près autant d'intérêt que la réforme de Macron, là, pour empêcher que les jeunes aillent voir du porno. Oui, c'est le dernier délire de la Macronie. Ils veulent rendre le contrôle parental obligatoire sur les ordinateurs pour que les jeunes ne puissent pas se connecter pour aller voir du porno. Mais les gars, ça sert à rien votre truc. Parce qu'on est en 2023, toujours pareil. Donc je te montre comment ça va se passer. Maman, maman, j'ai envie de me branler, mais je peux pas. Passe-moi ton code. Voilà, ça va s'arrêter là. Ça s'appelle le progrès. Mec, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, à part à être une pub vivante contre la morale publique, putain de bordel de merde. Olivier, on va clarifier les choses une fois pour toutes, parce que un argument définitif vaut mieux que mille mots. Olivier, quand tu as rejoint La République En Marche en 2017, tu t'en souviens de ce moment. Voilà. À cette époque-là, tu venais à l'Assemblée nationale de littéralement pourfendre le budget 2017. Tu venais de le défoncer, tu venais de l'enterrer, tu venais de l'humilier, telle une administrée de Gérald Darmanin qui cherche un HLM. Et tu as réussi le miracle, 6 jours plus tard, 6 jours plus tard, de défendre bec et ongles, comme un poilu qui défend une tranchée de 14, le même budget. Tu es le tenant du titre actuel du retournement de veste le plus honteux et le plus visible de la vie politique française depuis 1958. Olivier, tu as réussi à battre Manuel Valls. Je suis pas content! What